Un monde heureux suscite un art ancré dans l'ici et maintenant. Le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Un gagnant est une personne qui a identifié ses talents, a travaillé avec acharnement pour les développer et a utilisé les dites capacités afin d'accomplir ses objectifs. En art, comme en tout, la vraie perfection ne s'atteint que par l'extrême simplicité. L'art est le commencement de la nature. L'art est la révélation d'une sensibilité exquise. Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C'est ainsi, à force d'avancer, qu'on atteint ou qu'on double ses objectifs sans même s'en apercevoir. Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. L'inspiration est une étoile filante qui illumine l'artiste de créativité, mais dont l'éclat n'est qu'éphémère. L'inspiration provoque chez l'artiste une explosion de créativité dont l'impétuosité est exceptionnelle. L'artiste qui trouve l'inspiration a comme l'impression de toucher le jackpot à chacune de ses créations. L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que l'imagination embrasse l'univers entier. Si vous entendez une voix intérieure dire « Vous ne pouvez pas peindre », alors par tous les moyens, peignez, et ces voix seront réduites au silence. Chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver.